Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Des actions et des mesures édictées par le gouvernement et appliquées sur le terrain. La limitation des rassemblements, l'usage des thermoflashs ou encore le respect des règles d'hygiène prennent progressivement corps. Législative partielle, demain 22 mars est jour de vote. Les électeurs devront choisir les 13 élus qui manquent encore à l'appel à la Chambre basse du Parlement. Une forêt, cela commence par un arbre. Ce 21 mars, c'est journée internationale des forêts. Un arbre mis en terre est un apport significatif dans la régulation du climat. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Pour prévenir la propagation du COVID-19 et limiter le risque de contamination à grande échelle, le gouvernement de la République a pris des mesures fortes. Parmi ces mesures, éviter les grands rassemblements de personnes en un lieu. Ce week-end, le parcours Vita de Yaoundé s'est mis au diapason des mesures édictées. La structure a fermé ses portes dans le but de réduire les flux habituellement observés. Les habitués du sport ont dû trouver d'autres moyens pour pratiquer leur activité physique. Stéphane Zembomo. L'entrée ouest de la région du Nord-Ouest. D'un côté, des passagers en provenance de l'Ouest et d'autres régions du Cameroun passent devant des caméras thermiques. De l'autre, un infirmier. Je vous le disais à l'instant, pour prévenir la propagation du COVID-19 et limiter le risque de contamination à grande échelle, eh bien, le gouvernement de la République a pris des mesures fortes, des mesures suivies de près partout. Alors, au parcours Vita, vivre le respect de ces mesures avec notre reporter Stéphane Zembomo. Parcours Vita de Yaoundé, ce samedi matin, le portail est fermé. C'est un calme de cimetière qui y règne. La cour qui sert habituellement de lieu de danse sportive est vide. Le bloc administratif non opérationnel, les aires de jeu vidées de leurs occupants habituels. Seule présence, un agent chargé de la sécurité qui nous confie hors caméra que les responsables ici ont décidé de suspendre tout regroupement sportif jusqu'à nouvel avis. Une ambiance morose imposée par la peur du Covid-19. Les inconditionnels du sport, qui sont désormais obligés de faire leurs exercices physiques hors de l'enceinte du parcours Vita, saluent néanmoins cette mesure des responsables de la structure. Quand nous voyons ce qui se passe ailleurs, je crois que toutes les mesures prises par le gouvernement doivent scrupuleusement être respectées. C'est pas évident, c'est pas facile. Je me contente de cette montée-là. Je double le nombre de tours. Au lieu de faire un tour, je fais deux tours. Depuis quelques jours déjà, c'est l'axe reliant le carrefour Golf à l'hôtel Montfébé de Yaoundé qui est davantage pris d'assaut pour des personnes désireuses de pratiquer du sport. Un important dispositif de veille sanitaire était déployé à l'entrée ouest de la région du Nord-Ouest. Plus de 3000 personnes sont passées au thermoflash au niveau du checkpoint de Matazen, tous des passagers en provenance de l'Ouest ou d'autres régions du pays. Une initiative de la délégation régionale de la santé publique du Nord-Ouest. Les détails avec Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Si l'entrée ouest de la région du Nord-Ouest. D'un côté, des passagers en provenance de l'Ouest et d'autres régions du Cameroun passent devant des caméras thermiques. De l'autre, un infirmier teste son désinfectant. L'exercice est du reste salué par les usagers. Normalement, il faut le faire parce qu'il faut un peu contrôler ceux qui entrent. Parce que c'est pour protéger la population. Entre 4h et 8h, l'équipe composée de 2 médecins et 9 infirmiers conduite par le délégué régional de la santé publique a touché plus de 3000 personnes. Et peut décliner l'objectif de la campagne. On est en train de rechercher les personnes qui viennent de l'étranger, surtout des pays qui ont eu des cas positifs et des personnes qui ont eu de contact avec des malades. Si on avait un cas suspect, on allait
accompagner ces cas directement à l'hôpital régional, au centre d'isolement des cas. Et ce sont des passagers qui rentrent confiants et peuvent vulgariser les mesures édictées par les pouvoirs publics. C'est très important. Lave les mains tous les jours, n'est pas où il y a beaucoup de gens. Je fais la prière que si on arrive à Bamenda avec tous les problèmes à Bamenda, il faut que le virus là n'entre pas à Bamenda. Mais la vigilance et le respect des mesures sanitaires doivent être de mise, a prescrit l'équipe médicale qui y reste 24 heures sur 24 pendant deux semaines renouvelables. Au niveau des frontières, la veille sanitaire se renforce. Le dispositif mis en place à Garoua-Boulaye, dans le Lomé-Djérém, par exemple, c'est dans la région de l'Est, rassure les responsables de la santé. Le délégué régional de la santé publique est allé voir comment fonctionnent les formations sanitaires de la localité frontalière à la République centrafricaine. Georges Alain Eyango de CRTV Est nous en dit plus. Si Covid-19 oblige, aucune porosité admise au niveau des différentes zones frontalières du pays. À la frontière commune Cameroun-RCA à Garoua-Boulaye, à près de 250 km de Bertoua, capitale de l'Est, le dispositif anti-coronavirus est en place dans le district de santé de la zone. Les tests préventifs s'imposent à tous. À la traversée de la frontière, le représentant du bureau de gestion du fret terrestre à Bangui s'y soumet volontiers. La prévention de la pandémie mondiale de l'heure s'observe aussi à l'hôpital de district de Garoua-Boulaye, où des salles transitoires ont été aménagées au sein des urgences de l'hôpital avant les transferts des cas suspects ou confirmés dans l'isoloir en construction. Le délégué régional de la santé publique pour l'Est apprécie le dispositif en place. À l'hôpital, nous avons vu que tout un dispositif est mis en place. Déjà dans le circuit de la gestion des potentiels cas suspects, nous avons vu qu'il est correct. Nous avons également remarqué que le personnel est bien informé et est formé par rapport à la gestion de cette infection. Nous avons relevé également quels sont les gaps que nous allons transmettre à la hiérarchie, à M. le ministre de la Santé, pour améliorer davantage le dispositif qui est mis en place. Le personnel de cette formation sanitaire s'attelle pour l'heure à libérer de manière progressive les docteurs encore occupés dans la salle des urgences afin d'abriter d'éventuels cas suspects de coronavirus. Des mesures sont par ailleurs prises pour éviter des possibles contaminations lors du transfert de ces éventuels cas enregistrés dans l'isoloir qui comptera 10 lits, une fois mis sur pied. L'un des vecteurs les plus à même d'accélérer la propagation d'une maladie contagieuse au sein de la population reste sans aucun doute l'argent. Les billets de banque et pièces de monnaie circulent sans limite. Dans les magasins, les taxis et boutiques, les transactions vont bon train, augmentant les risques de contamination. José Gaëtan Tianga a observé, voici son reportage. C'est un geste banal qui peut être lourd de conséquences, surtout en cette période de propagation du Covid-19. Les pièces de monnaie et de billets de banque continuent de changer de main avec des risques certains. Si vous avez été exposé parce que vous avez toussé ou parce que quelqu'un a éternué sur vos mains et que vous attrapez, vous arrêtez des billets de banque, ces billets de banque seront souillés. Et peut-être donc que le germe pourrait passer à quelqu'un d'autre quand vous donnez le billet de banque. À côté des mauvais élèves, certains Camerounais prennent la mesure du mal et s'efforcent à changer de comportement. Mais il est bien difficile, dans un environnement comme le nôtre, de changer radicalement. Dans mon sac, j'ai un produit de gel que j'utilise quand je remonte dans la voiture. Et dans la maison, j'essaie de faire la même chose. Autant que ce soit possible que les chauffeurs de taxi essaient de désinfecter autant que possible, même une fois par heure, les poignets et tous les. Enfin, là où les passagers pourront toucher. Des alternatives existent pourtant. Ce matin, j'ai constaté que certains opérateurs ont fait des efforts pour qu'on puisse utiliser au maximum les transferts d'argent. Il y a même des banques qui ont aussi fait des efforts. C'est une très bonne chose. Les factures doivent être payées par les transactions mobiles. Et cela va nous éviter les contacts physiques entre les clients que nous sommes et les vendeurs. L'argent, source de bonheur, peut aussi être source de malheur. Une prise de conscience collective est convoquée. Contenir le flux de personnes, la mesure s'applique dans le cadre des grands et petits événements, l'organisation des obsèques ou encore la levée de corps dans les hôpitaux. À Douala, le directeur de l'hôpital La Quintini a dans un communiqué rendu public restreint
le nombre de participants au lever de corps à 10 personnes par famille. L'effectivité de cette mesure avec notre reporter de CRTV Littoral, Flore Ikoulé. Hôpital à Quintigny de Douala. Les halls de morgue sont pratiquement vides ici. Pour ces espaces de 120, 90 et 30 places, pas plus de 10 chaises pour chaque famille. Les autres sont empilées dans un coin. Seule passe d'accès à une levée de corps, avoir son nom sur la liste reçue par l'administration de l'hôpital. L'officier de police et les agents de sécurité postés à l'extérieur veillent au respect strict de la consigne. Les morgues sont des lieux propices à la contamination. Nos habitudes pendant les cérémonies de deuil contribuaient à propager le microbe. Et donc il fallait absolument contenir cet espace-là. Quand arrive le moment de déplacer le cercueil, il faut faire recours au personnel de l'hôpital ou faire des arbitrages, séances tenantes. Le directeur avise sur le choix stratégique des personnes autorisées à prendre part à ce cérémonial. J'en appelle au civisme de mes concitoyens, au respect de cette mesure-là, et il faut aller à l'essentiel. Donc les familles doivent donner des listes de ceux qui non seulement sont des membres proches de la famille, mais en plus qui peuvent aider à la manutention du corps. Le coronavirus est bel et bien une réalité au Cameroun. Rendons hommage à nos morts dans le respect des règles pour ne pas leur emboîter le pas précipitamment à cause de notre imprudence. La région Château d'Eau du Cameroun est parée pour bloquer l'invasion du coronavirus par voie ferroviaire, par voie routière ou aérienne. C'est ce qui ressort de la descente sur le terrain effectuée par le gouverneur Kildadi Tagege Boukar. Plus de détails avec Daniel Bellinga de CRTV Adamawa. Avec l'avènement de la pandémie coronavirus, le gouverneur de la région de l'Adamawa a fait une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation du transport des citoyens. Première escale, la gare ferroviaire de Ngaoundéré, où en moyenne par jour, 500 personnes sont en contact à l'entrée de cette agence de transport. Les écriteaux sont clairs sur le mur. Se laver les mains, une solution hydroalcoolique est d'ailleurs placée à la portée de tous. Deuxième escale, les agences de transport par route au-delà de l'hygiène, lavage des mains, le nombre de passagers a été revu à la baisse. Avant d'acheter le billet, 1 mètre d'intervalle entre les passagers, on évite des surcharges. Donc moins de 50 personnes dans le bus. Dans le souci de survie, chaque passager se protège également à sa façon. Troisième et dernière étape, l'aéroport de Ngaoundéré. Même constat, tout le dispositif sanitaire est mis en place. C'est une épidémie mondiale. Il faut donc que les gens prennent cela au sérieux. Nos populations doivent être convaincues de ce que le mal est là. Il y a urgence à ce que toutes les mesures d'hygiène soient prises. Selon les officiels de la santé dans la région, les salles de mise en quarantaine ont été aménagées à l'hôpital régional de Ngaoundéré en cas de besoin. Pour l'instant, zéro cas enregistré. Mais la ville tourne au ralenti depuis les recommandations du gouvernement pour contrecarrer la maladie. Le plan de prévention et de riposte pour limiter et endiguer la propagation de cette pandémie au Cameroun a conduit à la suspension des cours dans les établissements scolaires, les universités et grandes écoles. Et les domiciles sont pour les enfants les seuls espaces de vie et d'activité. Comment les parents se débrouillent-ils à occuper les enfants à la maison? C'est un reportage signé Barbara Padiama. Accrochés au téléphone, les enfants ont trouvé un terrain de jeu pour fuir les quatre murs de la maison. Réfléchir aux astuces pour les occuper préoccupe leurs parents. C'est pas facile. Comme ils sont là, ça double quand même le travail. D'habitude, quand ils sont pas là, ça donne le temps d'être libre de faire tes choses. Il faut travailler en même temps, gronder les enfants. Ne touche pas à ça, ne fais pas ça, ne monte pas, ne descends pas. Pour les éloigner de l'ennui, Colette, maman de cette fratrie de quatre, a pensé à des apprentissages ludiques. Ils lavent les assiettes, ils travaillent avec moi quand ils sont à la cuisine, je les appelle, je les apprends quand même à cuisiner. Depuis le verrou du gouvernement, les espaces de loisirs réservés aux enfants sont taris. C'est le désert. On rencontre les enfants qui déambulent dans les quartiers, dans la peau des petits commissionnaires. C'est à ça qu'ils sont utiles à la maison. Privés de sortie, ils ne tiennent pas en place, tentant d'envahir tous les espaces, à des endroits
ils sont de trop. J'ai étudié les sciences et j'ai besoin de beaucoup de concentration. Je ne pourrais rien retenir si je ne suis pas concentrée. La présence des enfants à la maison épuise toutes les ressources. Les enfants, eux, mangent beaucoup quand ils sont à la maison. Quand ils ne sont pas là deux fois, trois fois, tu mets la nourriture, pas à l'école. Mais quand ils sont là même cinq fois, ils vont toujours vouloir manger. Le seul instant de répit, c'est lorsque vient le moment de les ranger dans leur cahier. Mais pour combien de temps? La grande ruée vers les grandes surfaces commerciales et autres boutiques observées en début de semaine a quelque peu baissé. Ce week-end, même l'affluence dans les marchés a perdu de son intensité. Le constat au marché Mokolo à Yaoundé 2 avec notre reporter Joël Igor Abanda. Nous sommes ici au marché Mokolo, il est pratiquement 16h. Les boutiques s'apprêtent à fermer. Les clients défient le compte-gouttes. C'est le cas dans cette poissonnerie qui a connu jadis l'affluence de grand jour. Le phénomène coronavirus y est pour beaucoup, dit-on ici. À l'entrée, les clients qui viennent s'approvisionner passent par un lavage systématique des mains. Ce sont là les consignes de la maison. Je me suis lavé les mains avant d'entrer. Et quand j'ai trouvé le poisson, les employés m'ont demandé de laisser. Ils vont tourner et dès que je trouve le poisson qui m'intéresse, je les signale et ils prennent pour mettre dans mon assiette. Les prix restaient les mêmes, mais le poisson a perdu en qualité. Je n'ai pas vu de changement au niveau du prix, mais plutôt au niveau de la qualité du poisson. J'ai l'impression que de plus en plus, le poisson de bonne qualité, on n'en trouve plus. Non loin, aux abords de la route, d'autres consommateurs se ravitaillent en vivres frais. On se bouscule pour se frayer du chemin. Dans ce magasin, à Batalongkok, l'affluence a plutôt baissé comparativement à avant l'entrée en vigueur des mesures prescrites par le gouvernement. Nous avons constaté de l'affluence dès la veille. Mais déjà à partir de hier à aujourd'hui, la tendance a beaucoup diminué. Les clients de ce samedi viennent en majorité se procurer des produits de première nécessité. Question de tenir la semaine. Dans la région du Nord, les mosquées se déploient pour stopper l'expansion du virus tueur. Lavage et désinfection des mains, réduction du nombre de fidèles et de la durée des sermons pendant la grande prière. Telles sont les mesures prises par les différents imams. Ousmane Assanda de CRTV Nord. La région du Nord n'a encore enregistré aucun cas de coronavirus. Tous les efforts dans différents secteurs d'activité sont conjugués pour que cette partie du pays reste à l'abri du Covid-19. C'est dans la même lancée que les dignitaires musulmans de la ville de Garoua ont décidé d'apporter des modifications dans le déroulement de la prière de vendredi. Le gouvernement a interdit le regroupement de plus de 50 personnes. Nous veillons sur cette mesure. C'est pour cette raison que les fidèles ne sont pas venus nombreux à cette grande prière de vendredi. Les imams ont été également appelés à réduire la durée des sermons délivrés pour la circonstance. La prière du vendredi se déroulait à 13 heures. Cette fois-ci, elle a été anticipée de 15 à 20 minutes pour réduire le nombre de fidèles. Et le temps réservé au sermon a été revu à la baisse. Il est passé de 30 minutes à 5 ou 10 minutes, pas plus. Les fidèles, pour leur part, disent ne pas céder à la psychose et vont continuer d'implorer le ciel pour surmonter ces moments difficiles. Nous allons nous rassembler tant que le ministère de culte n'a pas interdit formellement l'accès à la mosquée. Cette guerre contre le coronavirus, la quasi-totalité des restaurants et endroits de réjouissance populaire de Garoua ont été équipés des dispositifs pour la désinfection de mains. La China Million Cameroon Company, un groupe d'entreprises chinoises installées au Cameroun, vient de remettre un chèque à l'hôpital central de Yaoundé. Objectif, permettre à cette institution sanitaire de prendre en charge les patients atteints du coronavirus. Compte rendu de Marlis Enouambarga-Oumo. Il s'agit d'une enveloppe d'un montant de 5 millions de francs CFA apportée par 4 entreprises chinoises pour accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. China Mainland Cameroun Company est une société citoyenne qui, au quotidien, œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et depuis l'avènement du virus dans notre pays, nous avons pensé qu'il était bien que nous nous joignions aux efforts du gouvernement camerounais pour essayer d'éradiquer cette pandémie.
Un geste salué par les responsables de l'hôpital qui ont dit toute leur gratitude à l'endroit des donateurs. C'est une donation qui est appréciée. C'est une donation qui nous va au cœur parce que nous en avons besoin maintenant. Si je prends seulement un exemple, la solution hydroalcoolique, il faut beaucoup d'intrants. Vous avez les masques. Vous avez tout le nécessaire de protection. Donc, c'est arrivé vraiment à point nommé. L'hôpital central de Yaoundé est l'un des centres agréés qui prend en charge les malades du coronavirus. Et ce geste des entreprises chinoises vient là soulager les patients qui ne cessent d'arriver dans cette institution sanitaire. Au regard des comportements à risque et du non-respect des mesures d'hygiène pour le plus grand nombre, les autorités craignent une flambée des cas de COVID-19 dans les prochains jours. À ce jour, 27 cas sont confirmés et déjà le gouvernement anticipe sur les dispositions à prendre au cas où ces chiffres venaient à se multiplier. Martine Wendingue. Les nouvelles sont plutôt rassurantes en ce samedi, du moins celles concernant les cas confirmés du COVID-19 au Cameroun et pris en charge dans les centres hospitaliers agréés. Nous sommes toujours à 27 cas qui ont été confirmés. Parmi ces 27 cas, en réalité, il y en a deux ou trois qui nous posent des petits problèmes, sans problème particulier de mise en jeu du pronostic vital. Les autorités sanitaires restent vigilants. Ça craint, à cause du non-respect par les populations des règles d'hygiène de base et des mesures prescrites par le gouvernement. Nous nous situons dans la perspective où nous pouvons dépasser les 100-150 cas à Yaoundé et peut-être aussi à Douala et certainement dans d'autres régions. Et dans cette perspective, nous avons déjà prévu d'augmenter d'abord la capacité en lit au niveau de toutes les formations sanitaires publiques et puis aussi au niveau des formations sanitaires de l'armée. La meilleure façon, c'est de respecter toutes les mesures qui ont été édictées par le président de la République. Si le coronavirus n'est pas visible à l'œil nu, la menace est réelle. Il n'y a qu'à voir dans les pays où ça sévit. Alors, prudence. Nous sommes dans une perspective où l'épidémie va grimper dans les jours à venir. Ce n'est pas pour créer de la panique dans la population, mais c'est pour qu'on regarde cette épidémie avec réalisme et qu'on sache que ce n'est pas une vue de l'esprit. De quoi lancer un appel à la prise de conscience de tous, le danger coronavirus rôde. Le coronavirus dans les milieux sportifs, la pandémie COVID-19 a désorganisé tous les événements sportifs en Afrique. Le Cameroun n'en est pas épargné avec le report du CHAN 2020. Le président de la CAF est conscient du désagrément éprouvé sur le continent noir. Il a déclaré toute sa solidarité à ses associations membres et aux victimes. Évariste Yenga. L'Afrique du sport est paralysée. COVID-19 a mis un frein à presque toutes les activités, sans épargner le football. En Afrique, de plus en plus de confinements et de fermetures sont constatés dans nos associations membres. Dernier confinement en date, la CAF elle-même réduite au télétravail. Le personnel travaillant au siège de la CAF a été invité à travailler à domicile depuis ce matin et jusqu'à la fin du mois de mars au minimum. Tout est à l'arrêt. Une désolation sur le continent noir, privé de ses émotions. Mais le confinement est un mal pour un bien. Je sais la déception des millions de supporters africains. Mais protéger la santé des joueurs, des officiels, partenaires et surtout des publics est la priorité. La CAF reste en ligne d'attaque, associée au combat contre la propagation du coronavirus. Nous continuons de suivre attentivement la situation avec l'OMS, la FIFA, les autres confédérations même, les gouvernements et l'ensemble de nos autres partenaires dans le monde. Le message du président de la CAF, Ahmad Ahmad, traduit la solidarité de l'instance africaine du football envers les États et ses associations membres. Et puis le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de tout cœur avec le peuple camerounais dans la croisade contre le coronavirus. Dans un SMS envoyé à tous les abonnés de téléphonie mobile, tous les opérateurs confondus, le président de la République écrit « Ensemble, avec civisme, courage et responsabilité, barrons la voie à la propagation du coronavirus. Suivons scrupuleusement, poursuit-il, les prescriptions du gouvernement et de l'Organisation mondiale de la santé. »
Paul Biya, comme nous pouvons le constater, le chef de l'État est en première ligne dans la dynamique de sensibilisation de l'opinion publique nationale dans la lutte contre le coronavirus, comme dans son tweet du 17 mars dernier. Le message présidentiel insiste sur deux mots-clés, le civisme et la responsabilité des Camerounais nécessaires pour barrer la voie à la propagation du coronavirus et pour mettre la nation tout entière à l'abri des effets néfastes de cette pandémie planétaire. Nécrologie dans ce journal. Un grand homme nous a quittés hier, le patriarche Fotso Victor, homme industriel et maire de la commune de Bandjoun dans la région de l'Ouest, est décédé à Paris en France. Un décès qui a plongé toute la ville de Bandjoun, la région de l'Ouest et le Cameroun tout entier dans la tristesse et la consternation. Le reportage de Jean de Dieu Coigneux de CRTV Ouest. Des pleurs à n'en plus finir ici au domicile du patriarche Fotso Victor à Bandjoun, où la nouvelle est arrivée comme un couperet. On le savait malade, certes, mais les populations de Bandjoun attendaient encore beaucoup de Fonyamgong. Victor Fotso, lui qui venait d'être reconduit à la tête de la commune de Pété Bandjoun au terme du scrutin municipal de février dernier, d'où cette présence massive des populations et en pleurs à sa résidence. Le gouverneur de la région de l'Ouest n'a pas hésité pour venir apporter du réconfort à la famille et la population éplorée. Cette nouvelle est très triste et choquante. Nous sommes là ce soir, cette nuit, pour présenter nos condoléances à la famille. Fotso Victor, homme politique, industriel, était un bâtisseur infatigable, tant pour sa commune Bandjoun que pour le Cameroun. Il quitte la terre à l'âge de 94 ans. Toute la nuit durant, les populations de Bandjoun ont pleuré le patriarche Fotso Victor, le bâtisseur infatigable. En direct de la résidence du patriarche Victor Fotso à Bandjoun, Jean de Dieu Coignet pour la CRTV. Les condoléances du 20h30 à la famille si durement éprouvée. On repart aux urnes ce dimanche pour le choix des 13 députés qui manquent à l'appel à l'Assemblée nationale. C'est une élection particulière dans la mesure où elle ne se déroule que dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En remontant tout de même l'histoire de l'organisation des élections au Cameroun, elle est loin d'être un fait nouveau. Séverin Alegambélé. Depuis les années 90, marquant le retour au multipartisme, les Camerounais ont été invités à reprendre les élections législatives le 15 septembre 2002. 17 sièges étaient alors en jeu dans 9 circonscriptions électorales. Les raisons évoquées par la Cour suprême, qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel, portaient sur la falsification des procès-verbaux, l'inscription frauduleuse sur les listes électorales, la présence des personnes inéligibles sur les listes. Au bout du processus, le RDPC avait obtenu 149 sièges, le SDF 22, l'UNDP, l'UDC et l'UPC se partageaient le reste des sièges. Il y a eu également élections législatives partielles le 30 septembre 2007, avec 17 sièges en jeu et 5 circonscriptions électorales concernées. L'argument juridique retenu cette fois portait sur la fraude électorale manifeste. Au décompte final, le RDPC a remporté 153 sièges, le SDF 16, l'UNDP 6, l'UDC 4 et le MP de Jean-Jacques Ekindi 1 siège. Dans l'un et l'autre cas, et c'est ce qui va se reproduire ce dimanche 22 mars pour les 13 sièges mis en jeu dans les 11 circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'élection partielle obéit aux mêmes conditions que l'élection générale du 9 février dernier, en ce qui est de l'organisation matérielle du scrutin par Elections Cameroun. Les électeurs sont les mêmes, les partis politiques aussi. On aura notamment le SDF, le RDPC, le CDP, l'UDP, l'IPAD et le BRIC qui s'affrontent. La seule différence, du reste minimale, c'est peut-être le réaménagement que les camps pourraient apporter au fonctionnement des centres de vote en les densifiant de manière à rapprocher les électeurs des bureaux de vote dans un environnement sécuritaire difficile. Et toujours dans le cadre de ces législatives partielles, dans le Nord-Ouest, les candidats et les responsables locaux du RDPC ont reçu la visite du secrétaire général du comité central du RDPC. Une visite et davantage une action de remobilisation des militants en vue d'un vote massif demain 22 mars. Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest.
C'est à huis clos que le RDPC, sous la conduite de son secrétaire général Jean Kouété, a tenu l'ultime réunion à Bamenda. Nous sommes à quelques jours du scrutin partiel législatif. L'hôte de Bamenda est venu avec un message du président national du RDPC, Paul Biya. Un message plutôt bien reçu par la base. Il est venu nous dire que le président national, son excellence Paul Biya, est avec nous et qu'il n'attend que la victoire. Et quand c'est le chef lui-même qui le dit, ça veut dire que nous sommes prêts à tout donner. Le parti peut être assuré de sa victoire au soir du 22 mars 2020 au regard du travail abattu sur le terrain. On avait gagné le 9 février, on va regagner le 22 mars. Les gens de Bouy ne sont pas là pour blaguer. Il n'y aura même plus de doutes. On va gagner très bien à un moment. Le RDPC va racler tous les sièges. Toute la République connaît Santa pour leur dynamisme, pour leur courage. Ces militants ont gagné les élections, ils ont travaillé, ils ont gagné. Mais comme il faut respecter la loi, on doit repartir. Les candidats RDPC à cette législative partielle ont également affiché la même détermination et ont appelé les militants à sortir massivement dans la Momo, la Mezam, la Menchoum et le Bui et voter les listes RDPC à 100% dimanche prochain, synonyme d'occupation des 12 sièges en jeu. Restons dans le Nord-Ouest pour dire que le maire de la ville de Bamenda et ses deux adjoints ont officiellement pris fonction. Ils ont reçu leurs attributs des mains du préfet de la Mezam. Simon-Émile Mo a demandé à Paul Atchobon d'œuvrer à doter les populations de points d'eau potable et à les sortir de la précarité. Le compte rendu de Valentin Kouadeu de CRTV Nord-Ouest. À 55 ans, Paul Atchobon prend les commandes d'une ville qui présente des affres de la crise sociopolitique où presque tout doit être reconstruit. L'insalubrité et le désordre urbain sont des défis majeurs auxquels fera face le nouvel élu. La nécessité de doter les populations de l'eau potable, réhabiliter les routes qui sont dégradées, mais en même temps de lutter contre ce phénomène de ghost town et de lockdown. Pour y parvenir, l'ingénieur en génie civil pense que la paix est l'un des préalables pour tout développement. Sans la paix, les gens qui ont fui la Bamenda ne peuvent pas rentrer. Il faut que la paix se retrouve parmi nous. Le maire de la ville de Bamenda voudrait s'investir dans les projets qui feront de Bamenda une localité où il fait bon vivre. On va faire en sorte que les routes qui entrent dans les quartiers seront ouvertes. On va aussi faire en sorte qu'il y a l'eau potable partout. Paul Atchobon a donné rendez-vous aux populations dans 3 mois pour faire une première évaluation. Ce 21 mars, c'est Journée internationale des forêts, une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et qui vise à promouvoir les principales fonctions des écosystèmes forestiers. Tout le monde doit y contribuer et ce samedi justement à Ngomedzap, dans le Nyon-et-Saône, un exercice de plantation d'arbres a mobilisé quelques volontaires sous la conduite du ministre Grégoire Ona du Travail et de la Sécurité sociale. Plus de 1000 plants, plus de 100 plants d'arbres ont été mis en terre. José Gaëtan Tchanga rentre de Ngomedzap. Des plants d'arbres pour reboiser l'avenir. En Ngomedzap, la préservation de la nature est un enjeu générationnel. On creusait d'abord la terre et puis on plantait l'arbre et on versait la terre. Ce ne sont que les enfants et les femmes qui restent en majorité dans l'arrière-pays. Voilà pourquoi nous voulons les mettre à l'œuvre, qu'ils sachent que ce que nous sommes en train de faire est bénéfique pour eux. Le Nîmes, le Wenge et le Béro, des essences sélectionnées parmi les plus recherchées sont plantées. La valeur économique du Nîmes aujourd'hui n'est plus à démontrer. Le Nîmes, quand il est sénescent, il produit des semences. Aujourd'hui, ces semences sont transformées en huile de Nîmes, en beurre de Nîmes, en savon de Nîmes, et qui rapporte et des énormes devises à l'État camerounais. Pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le geste a une visée didactique. Je rêve d'un beau village, d'une belle ville, une ville ombragée, une ville fleurie où il fait bon vivre. Et je pense que l'environnement est ce que nous avons le plus à préserver et nous devons inciter les villageois et leur montrer que ce n'est pas parce qu'ils sont au village
qu'ils doivent mal vivre. Au contraire, la vie est belle au village. Planter un arbre, c'est garantir la vie de l'humanité. Chacun devrait s'y mettre. L'international Inner Wheel tenait récemment à Yaoundé une rencontre pour évaluer ses activités annuelles et élire un nouveau bureau. L'association caritative qui regroupe en son sein plusieurs pays ambitionne d'élargir son aide multiforme aux zones les plus reculées des pays membres. Voici le compte-rendu de Stéphane Zembomo. L'International Inner Wheel est un regroupement de femmes œuvrant au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des personnes démunies. Cette 8e assemblée annuelle du district 915 de l'organisation a donné l'occasion à ces dames de cœur d'évaluer les activités caritatives menées jusqu'ici, mais surtout de définir de nouvelles méthodes qui leur permettront de mieux répartir leur aide sur le terrain. L'objectif étant de promouvoir l'égalité sociale et le vivre ensemble. Nous nous retrouvons dans le cadre de l'amitié. Pour pouvoir échanger nos expériences, nous avons signé une charte d'amitié. Nous sommes là dans le cadre d'amitié, d'entente internationale et essayer d'apporter ce que nous pouvons apporter aux personnes vulnérables. Les actions que ces femmes mènent au quotidien visent aussi à accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre la pauvreté. L'État ne peut pas travailler seul. Il y a des femmes qui ont la volonté, effectivement, d'apporter également leur aide à ces personnes-là, soit par des conseils, soit par des moyens financiers qu'elles ont. La rencontre a aussi permis d'élire un nouveau bureau qui aura pour but de conduire dans les tout prochains mois l'instance avec un point d'honneur sur l'aide à accorder aux nécessiteux dans les zones reculées des pays membres de l'organisation. Refermons ce journal par le livre de la semaine. Dans les rayons ce samedi, le nouvel ouvrage du docteur Michel Ouyane, intitulé « Le président Biya face à l'élection présidentielle de 2018 ». L'auteur revisite le parcours de l'homme du 6 novembre et décrit un certain nombre de réalisations. Stéphane Zembomo, une fois de plus. Depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 82, le chef de l'État ne ménage aucun effort pour faire appliquer les principes de la démocratie au Cameroun. Une façon de faire qui lui a toujours valu de mériter à chaque élection présidentielle la confiance des Camerounais. Il n'est pas possible de battre le président Biya à une élection présidentielle. D'autant plus que ce qui caractérise l'opposition de la République du Cameroun, c'est une opposition d'individualistes. Le président Biya face à l'élection présidentielle de 2018, c'est un ouvrage qui revisite et encense le système politique camerounais à travers le parcours de celui qui incarne la force et de l'expérience. Le président Biya, c'est d'abord la rectitude morale, c'est ensuite la fermeté, c'est une main de fer dans un gant de velours. L'homme lion, vous connaissez le lion? Le lion n'est pas un animal agité. Pour attraper sa proie, il ne s'agite pas. Mais quand il décide de l'attraper, il l'attrape et il la dévore. Malgré les soubresauts liés à la fonction présidentielle, Paul Biya a toujours su se relever dans une impressionnante maîtrise de soi. En 38 ans de pouvoir, il se positionne du point de vue de l'auteur comme l'homme politique du siècle, vers qui les apprentis politiciens devraient prendre des cours. Au lieu de s'agiter, les autres acteurs politiques gagneraient à apprendre de cet acteur politique majeur qui a su intelliger le système politique camerounais. En 266 pages, le docteur Michel Ouyane, ancien chercheur des universités et spécialiste de la communication et marketing politique à l'université de Yaoundé 2, a écrit ce livre pour tenter d'expliquer aux lecteurs comment fonctionne la politique de l'homme du 6 novembre. Avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Hage Geingob, président de la République de Namibie à Windhoek. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration de la fête nationale de votre pays ce 21 mars m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de paix et de progrès pour la nation namibienne. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Voilà donc qui met un terme aux 20h30 de ce samedi, préparé avec la collaboration de Christelle Fouda, Alex Kokola et Mariam Mazoum. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne, ce sera à minuit. Vous serez avec Georges Marcel Messila et Gilbert Ongene. L'information en continu, c'est sur CRTV News. Le sport et le divertissement, c'est sur CRTV Sport. L'information tout court, c'est CRTV Web. Madame, messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.